Les exportations des produits vivriers sont suspendues sur une période de 6 mois. Il s'agit entre autres du manioc, de l'igname, du maïs, du riz, du mil, du sorgho et le fonio, mais également de la banane plantain et de l'attiéké. En prenant cette décision, les autorités ivoiriennes se donnent pour objectif de garantir la sécurité alimentaire des populations. Dans un communiqué signé le 15 janvier, conjointement par le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières et du ministère du Budget et des Finances, il est indiqué que tout manquement à cette disposition est passible de sanctions, conformément aux dispositions prévues par la loi. Les membres du gouvernement révèlent que cette décision est prise conformément au décret numéro 2022-168 du 9 mars 2022, instituant une autorisation préalable à l'exportation de tout produit vivrier. De janvier à juillet 2024, c'est donc une vingtaine de produits vivriers qui est ainsi frappé par cette suspension temporaire d'exportation. Père. Aïe. Ça me fait genre, pendant que on est concentré sur la canne, on est en train de crier, wow, le père a bien barré là. Non, papa, l'entend fait quelque chose dans l'ombre, quelque chose même dans l'ombre. Aïe! 6 mois, suspension, d'attiquer, placalé, tout. Ah, le père, papa, faut pas faire ça. Bon, nous qui sommes ailleurs là, on mange comment? Comment? Pour garantir la sécurité, la sécurité alimentaire des gens qui sont à Babé. Ah, père, manger ne peut pas finir à Abidjan. Ou bien, manger ne peut pas finir en Côte d'Ivoire. Aïe, père, le succès du pays repose sur l'agriculture. Le succès du pays repose sur l'agriculture. C'est le succès. Bah, vous pouvez dire que le succès du pays. On repose sur l'agriculture. Maintenant, on y a un modèle ngamo à se faire fêter ouais. Il y a les bénis. Aïe. Qu'est-ce que quoi exportation? C'est-à-dire nos petits soeurs, c'est nos soeurs qui sont en Bengue ici qui font les je sais pas comment y parler quoi. C'est tu as coupé un bon pas des pieds des gens. Je comprends pas. À quoi peut-être rambé? Aïe. Bon, non seulement, tes filles vont faire comment, le père? Tes filles font comment? Bon, tu dis, on n'exporte plus pendant 6 mois. Écoute, au chinois, mais ça non, chinois, mais à qui est rempli de sable là. Écoute, au pakistanais, mais ça non. Depuis quand chinois qu'on est attiqué, pakistanais qu'on a attiqué? Tu peux pas faire ça, père. C'est, tu allez là, nous tous, on est concentrés sur le ballon. En même temps, tu as voté loi, en même temps, décret est sorti. En même... Ah! Frère! Faut pas faire ça, père. Donc, ce que je veux savoir, donc si nous, on voyage, on va à Abidjan, on n'a pas le droit de prendre à checker la Cali, poisson, sec, main, tout ça pour mettre dans nos valises, hein, nos 23 kilos là. On n'a plus ce droit là. Je veux savoir. On fait plus ça. Pendant 6 mois, tes enfants qui sont en Europe là, ils n'ont qu'à se contenter de pâtes. De choucroute, de brocoli. Ablo Kibéko, on convient. Jean, tu ne nous as pas envoyé. On casse des démerder pendant 6 mois. Ah, je paie. Faut pas faire ça, le père. Faut enlever ta loi là. Bon, tu as parlé de voitures 5, on n'a rien dit. Les France au revoir, ça s'est arrêté. Alhamdoulilah. Hein? Ce n'est en moins huile rouge, on n'a rien dit. Ce n'est ou à toi, tu es que non, tout ça là. Pourquoi? Ah, père, tu es fort. Hein? Non, même je m'appelle. Hein? Le moral est fort. C'est-à-dire, au moment où tout le monde est ailleurs, là, il en était framponné sur moi. Ouais. Pardon, père. Hein? Nous tous, on n'a pas l'argent des Chinois. Nous tous, on n'a pas l'argent des Pakistanais. Nos seuls, on se débrouille un peu avec elles. Elles nous font à checker là, le sac, des fois à 25 euros, des fois à 30 euros. Dans le sac, là, on a 15 boules d'acheter, on a 20 boules. En tout cas, ça nous arrange, tu vois. Voilà. C'est pas comme à Carrefour, tu as parti payer une boule d'attiqué à 3 euros. Et une boule d'attiqué à plus de 2000 ou bien combien là, à presque 2000 francs. Franchement, faut pas faire ça là. Père, amusement, pas même. Faut pas faire ça même. Faut pas faire ça. Tu as bien fait canne là. Nous tous, on est contents de toi. Nous tous, on est en joie, on est contents. Faut pas faire la population comme ça. Non, yo, et ça. Même si nous ne sommes pas en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire là. Nous aussi là, on mange aussi la nourriture de là-bas.
Nos poissons, nos clous, nos escargots, nos crabes, tout ça, on en a besoin ici. Non, yo so. Hein? Faut pas faire comme ça. Faut pas faire comme ça. Bon, là, comme moi, je suis toujours parti à Abidjan. Il y a ici, il y a un peu sinon, on entend normal là. Baba, il y a un peu de temps. Il y a un peu de c'est-à-dire, à la calakaye. Appelé le blé. Mais à la calakaye, à faire ça, à faire à clé. Tu nous montres la canne. C'est que on est en canja. On est tout et on dirait. Non, yo so. Non, yo so. Faut pas faire ça. On ne cloue pas. Voilà. Je n'ai pas quand de terre. Non. Non, faut pas faire ça. Faut revoir ça là. Faut revoir. Faut enlever ta loi là. Manger peut pas finir en Côte d'Ivoire pour dire que non, que il y a plus d'exportation pendant 6 mois. C'est quel manger qui finit en Côte d'Ivoire? Les jouets là, les premières poules là, c'est bientôt fini. Premier jeu ou bien manger là, mais on poule con. Premier jeu, on va vieillir dans quelques jours là. Ceux qui vont perdre là, c'est fini. Hein? Donc, comment toi tu es en train de sécuriser nourriture de ceux qui sont là-bas? Donc, tu sécurises pour ceux qui sont là-bas. Donc, par exemple, tu dois sécuriser pour eux, nous, on ne mange pas. Il ne faut pas faire ça. Hein. Sérieux même. Non, mon yo, ça. Et puis, c'est le marché de tes filles même que tu gardes. Parce qu'il y a plein de jeunes filles ivoiriennes maintenant là, qui sont dedans même. Qui commencent à vendre bien leurs choses. Non, yo, ça, il ne faut pas faire ça. Parce qu'on a une voiture de moins de 5 ans, 10 ans, au Blouman, Côte d'Ivoire. C'est nos propres frères, là. On n'a rien dit. Bon, je m'en vais. Ce n'est pas un jour. J'ai juste décrié quelque chose que je trouve vraiment méchant. Je ne trouve pas ça normal. Voilà. De couper le moyen de revenu de certaines personnes. De couper la nourriture ici en Europe. C'est vrai, l'Europe ne meurt pas de faim, mais nous aussi, on a besoin de ça. Et puis, c'est le travail de tes filles. Il y en a même qui ont pris et qui se sont organisées pour Ramadan arrive. Il y en a même qui sont prêtes à prendre des engagements. Tous ceux qui ont commandé, tu n'as même pas prévenu un peu même les gens même pour que les gars se préparent. Non. Tous ceux qui ont commandé, qui ont commencé à faire leur stock de manger pour faire venir là. Je suis parti, je vais me soigner.